Grégory Rogoubi, bonjour. Vous êtes président et cofondateur du réseau Plus que Pro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présentez à la fois le réseau Plus que Pro comme le promoteur des meilleures entreprises de France et le défenseur des consommateurs. On peut faire les deux à la fois ? Bien sûr. Et d'ailleurs, l'un est nécessaire à l'autre. C'est parce qu'on comprend les attentes et les nouveaux usages des consommateurs. C'est parce que l'on a conscience qu'aujourd'hui, se tromper est un luxe de riche, que l'on a conscience qu'aujourd'hui, il manque à peu près 600 euros, selon le baromètre ou le dernier baromètre Cofidis. C'est ce qu'il manque à un consommateur, à un foyer moyen pour vivre plus sereinement. Donc, dans ce cadre-là, le consommateur, plus que jamais, est désireux, j'irais, d'organiser ses achats en ayant bien évidemment l'assurance de sélectionner la bonne entreprise. Et le dirigeant d'un autre côté ou l'entreprise qui exécute, qui réalise correctement des travaux ou des prestations, ben il est en attente, ils sont en attente d'avoir bien évidemment les clients, qui souhaitent réaliser leurs rêves. Donc on est le pont entre l'un et l'autre, on fait le bridge, on se dit souvent d'être des amoureux de l'amour et quelque part être un mythique de la mise en relation entre des consommateurs désireux de retrouver le plaisir à l'achat et des professionnels désireux de retrouver du travail dans un contexte des plus compliqués pour l'heure. Comment vous expliquez que le réseau Plus que Pro soit le seul à exercer dans le domaine de l'avis client ? Alors, on est aujourd'hui le seul à avoir fait le choix que ce soit des patrons qui rencontrent des patrons. On est convaincu que les professions, les univers fonctionnent par caste. Souvent, les médecins sont avec des médecins, les professeurs sont avec des professeurs. Souvent parce qu'on se comprend mieux quand on est dans un même univers. De donner l'opportunité, à des franchisés, des patrons, de rencontrer d'autres patrons, c'est le meilleur moyen qu'ils aient de se comprendre et de regarder dans la même direction. Là encore, si je devais rester sur une note poétique, s'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. Et donc, quand je comprends les obligations qu'un dirigeant a, parce que moi-même, de mon côté, je les ai eues, je comprends mieux la notion d'investissement et je comprends mieux les échelles de temps. Souvent, un salarié, indépendamment de toutes ses qualités, résonne en moi. On le voit souvent, notamment dans des fonctions commerciales. Un dirigeant, lui, regarde plutôt, sur une échelle en années. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles de valeur. Et le plus important pour nous, ce n'est pas l'adhésion d'un adhérent, c'est le renouvellement des adhérents. Donc, ce qui compte, c'est qu'il s'ancre dans la durée parce qu'on ne rentre pas dans une démarche de transparence pour quelques semaines ou pour quelques mois. D'ailleurs, quand on demande aux consommateurs, pour vous, une entreprise transparente, c'est une entreprise qui doit s'inscrire dans une démarche de transparence sous quelle durée ? Sur quelle durée ? Ils nous disent, dans 82% des cas, 4 ans au minimum. Donc, il y a une asymétrie entre ce que le dirigeant peut voir de son côté, où souvent, il peut considérer que c'est une démarche de marketing ou une démarche d'opportuniste, alors qu'on est très loin de cela. C'est une attente profonde. D'ailleurs, s'il y a eu plus d'avis déposés en 2022 que d'habitants sur Terre, puisque 8,5 milliards d'avis déposés en 2022, pour 7,88 milliards, bon an, mal an, à quelques habitants près, sur la planète. C'est donc devenu un phénomène de société et une obligation pour les entreprises qui ont du savoir-faire, mais qui se doivent de le faire savoir. Et donc, on les accompagne dans cette logique-là. Et pour les accompagner, pour accompagner les dirigeants, qui mieux qu'un dirigeant, je le dis une dernière fois, peut comprendre un dirigeant ? Donc, c'est un choix stratégique. Alors, pourquoi les autres ne l'ont pas fait ? C'est plus difficile pour moi de parler pour les autres, mais du moins, je peux expliquer pourquoi nous, on a fait ce choix et pourquoi il nous semble plus légitime et plus cohérent que jamais. Vous pouvez nous dresser, s'il vous plaît, le portrait robot idéal du candidat Plus que Pro ? Je ne sais pas s'il y a un portrait robot, parce qu'ils sont riches de leurs différences, ils sont riches de leurs expériences, ils sont riches de leurs ambitions. Donc, on dit souvent qu'il y a autant de définitions de réussite que nous avons d'entrepreneurs chez nous, parce que s'ils intègrent, évidemment, c'est pour participer à cette merveilleuse aventure, mais c'est aussi pour avoir un espace de liberté dans lequel ils pourront faire ou ne pas faire un certain nombre de choses. Maintenant, si on voulait, construire un trait d'union ou trouver un trait d'union entre nos différents membres, on parlerait de leur engagement sans faille pour être justement ce bouclier pour les consommateurs ou ce phare pour les entreprises.
Incontestablement, ils partagent tous ces mêmes valeurs, de dire un dirigeant, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a souvent de l'or dans les mains, du plomb dans les comptes, et qui ne sait pas toujours valoriser le savoir-faire qui est le sien. D'ailleurs, quand on voit souvent le parking d'un Leroy Merlin, pour ne pas les citer, qui est plein, par rapport à des parkings d'entreprises ou de TPE qui sont plus souvent vides ou du moins moins fournis, on se rend compte que le consommateur commence à avoir plus confiance dans ses propres compétences à lui, ou même les sites de particulier à particulier dans tous les univers qui fleurissent désormais, où on se rend compte que le consommateur se dit, ben pourquoi je ne le ferais pas moi-même? Et c'est complètement illégitime parce qu'incontestablement, il y a des professionnels qui ont véritablement du talent pour satisfaire les besoins et les attentes des consommateurs, mais qui ne savent pas toujours l'exprimer. Donc c'est hyper important de bien comprendre les enjeux. Et nos membres sont effectivement habités par cette envie, par cette volonté de solutionner, de redonner le plaisir aux deux. Maintenant, sur le reste, ils ont droit d'être différents et on cultive la différence et nous nous enrichissons de leurs différences. Donc si quelqu'un est déterminé, si c'est un commerçant, s'il aime les hommes, s'il aime les nobles combats, les nobles causes, bah, à minima, il est bienvenu pour qu'on puisse discuter et plus si affinité. Et de manière générale, c'est compliqué, c'est particulièrement exigeant d'être un membre du réseau plus que pro. C'est toujours exigeant d'être un dirigeant, c'est toujours exigeant de changer de vie, parce que souvent quand on devient franchisé, partenaire indépendant, on utilise le mot franchise par commodité de langage, mais du moins ce statut de partenaire indépendant se veut exigeant. Et maintenant, est-ce que c'est plus exigeant qu'autre chose? J'en suis pas convaincu, chacun pourrait en débattre. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui sont bien plus complexes que la nôtre ne peut l'être, et beaucoup d'univers qui tractent moins que l'univers du digital ou que l'e-réputation. On vient de voir d'ailleurs il y a très peu de temps les évolutions juridiques inhérentes à l'univers de la vie client, parce que désormais les législateurs ont compris qu'il fallait encadrer ces politiques. Pourquoi? Parce que comme la vie client est devenue décisif et majeur dans le parcours d'achat d'un consommateur, on ne pouvait plus rester dans un Far West où tous les coups étaient permis. Donc désormais, les mentions obligatoires, le cadre juridique se veut plus précis que jamais. Donc c'est exigeant, mais c'est surtout épanouissant. Grégory Rogoubi, je rappelle que vous êtes président et cofondateur du réseau Plus que Pro. Merci beaucoup. Merci à vous.